المسألة الخامسة إلى dernière signification de الأصل المستصحب المستصحب بمعنى أن اليقين يقطع بالشك أن اليقين بقطع الشك مثلا الطهارة والحدث عندما الإنسان مثلا يخرج من بيته وفي الطريق ربما تذكر هل توضأ أم لم يتوضأ فدخل المسجد فحصل له تردد et commence à hésiter parce qu'il est venu, il est sorti de chez lui en état d'ablution et arrivé à la mosquée il commence à douter, il ne se rappelle plus si elle est toujours en état de pureté ou pas pour faire sa prière. Al-aslo, la base, comment il doit trancher, c'est que lui-même doit se baser sur la certitude. Il ne doit pas laisser de place au doute. Ça veut dire qu'il doit trancher, soit de dire que je suis sorti de chez moi, j'étais en état d'ablution, je reste en état d'ablution. Il n'a pas à douter. Donc il doit se baser sur la sérénité et la certitude et non pas sur le doute. Donc le fondement peut porter ce sens de qat'u ash-shaki bil-yaqin. Le doute n'a pas à exister. Il n'a pas à continuer à avoir de l'impact sur ta pratique religieuse. Il doit être tranché par la certitude. Et on a donné l'exemple de At-tahara wal-hadath al-wudu indama yakhruju al-insanu min baytihi hal tawadda'a am lam yatawadda'. أما الأصل في الفقه ما معنى الأصل الآن تحدثنا على الأصل في الاصطلاح الأصل في اللغة وبعض التطبيقات الإصلاح وبعض معاني الأصل في اللغة العربية وعند الفقهاء أما المقصود في الأصل عند الفقهاء فالدليل هو الأصل الدليل الأصل أصل يعني هكا بشكل عام الأصل هو الدليل الذي تبنى عليه أحكام الشريعة الأصل هو الدليل الذي تبنى عليه أحكام الشريعة le fondement les fondements si vous avez remarqué je suis toujours dans l'intitulé de l'intervention les fondements c'est quoi c'est l'argument selon lequel on va extraire les jugements de la, dans le cadre de la législation c'est l'argument tout simplement. Donc, al-aslu huwa ad-dalil alladhi tubna alayhi al-ahkam ash-shar'iyyah. C'est l'argument selon lequel le docteur ou le jurisconsulte va prendre et sur lequel va se baser pour extraire les jugements à partir de des textes en général, ça peut être le Coran, la Sunna, le consensus et le qiyas et j'en passe. Ma'na kalimat al-fiqh Je reste toujours dans les définitions. Al-fiqhu, en général, la jurisprudence, huwa majmou'at al-ahkam al-amaliyya al-shar'iyya al-mustafada mina al-adillatiha al-tafsiliyya. C'est ça le fiqh, la jurisprudence, c'est l'ensemble des règles. L'ensemble des règles qui relèvent de la pratique. Comme ça, on va exclure aussitôt quoi? Les règles qui relèvent de la croyance. De l'aqida, parce que les règles qui relèvent de la croyance ne font pas partie de al-fiqh. Al-muqtasabatu min adillatiha al-tafsiliya, qui sont extraites à partir de quoi? À partir des arguments qui sont détaillés. Et c'est ce qu'on va voir justement dans les fondements de l'école malikite. Al-an. المدرسة المالكية لها أصول والأصل في المدرسة المالكية أو في المذهب المالكي أن له أصول واختلف العلماء علماء المالكية une très grande divergence entre les fondateurs et les chercheurs et les savants de l'école malikite se sont divergés au sujet de l'école malikite C'est-à-dire, dans quel sens? À dire, mais quels sont finalement ces fondements qui constituent l'école malikite? Et sur quoi l'imam Malik avait opté, qu'il a pris comme référence pour fonder et pour fabriquer son école? L'imam Al-Qadi Iyad, dans son livre Kitab al-Madarik,
Et là, je vous ai cité pratiquement une référence, une étoile dans l'école malikite, et s'appelle Al-Qadi Iyad. C'est celui qui a écrit le livre Al-Shifa. Je ne sais pas si vous le connaissez, le livre de Shifa. C'est une des références de l'école malikite. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, si l'imam Al-Qadi Iyad n'a pas existé, personne n'aurait jamais connu l'Afrique. Parce que c'est grâce à lui que l'Afrique et le Maghreb a été connu, et grâce à lui que l'école malikite a pris de l'ampleur, parce qu'il a travaillé au sein de l'école malikite, effectivement, pour la propager et tout simplement filtrer les hommes de l'école malikite. Et lui, dans pas mal d'ouvrages, va parler des fondements de l'école malikite. Et il va dire « Usulul madhhabi kama yali ». Voilà les fondements de l'école malikite. « Al-awwal al-kitab al-Qur'an as-sunnah » La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amalu ahli al-Madina. La pratique des gens de Médine. La pratique médinoise. Al-Ijma', le consensus. Al-Qiyas, c'est ce qu'on appelle l'analogie. Le raisonnement par analogie. Le choix préférentiel, c'est ce qu'on appelle al-Istihsan. Le choix préférentiel, al-Istihsan. Al-masalih al-mursalah, les intérêts. Et là, les intérêts, on va les détailler un petit peu, inch'Allah, par la suite. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement les intérêts qui ont une portée générale, mais qui n'est pas indéterminée. Les intérêts, l'intérêt général, mais qui n'est pas indéterminé. Cet intérêt général, et il est déterminé, l'imam Malik ne le prend pas en considération. Donc, c'est ce qu'on appelle al-masalih al-mursalah. Al-maslahatu al-mursalah. Il n'est ni maslaha mu'tabara ou fasida. C'est une maslaha mursala qui reste absolue. Elle n'est ni positive, c'est un intérêt qui n'est ni positif ni négatif. Lui, il dit, c'est une référence et c'est un fondement de l'école malikite. Al-maslahatu al-mursalah. Al-istishab, c'est la présomption de la continuité. Ce qu'on appelle al-istishab, la présomption de la continuité. Et ça aussi, c'est un fondement très très important dans l'école malikite. Il y a aussi ce qu'on appelle babu saddu. C'est les moyens d'empêcher les inconvénients. C'est un fondement dans l'école malikite. Les moyens pour éviter, pour empêcher, pour freiner les inconvénients. C'est-à-dire, tout ce qui va mener à un inconvénient, on doit le freiner. Même si l'origine de cette acte est licite en soi, mais va mener à un résultat qui est négatif, l'imam Malik le considère comme un fondement dans son école. Babu Saddi al-Dhara'i. Al-Urfu wal-Awa'id, c'est ce qu'on appelle les us et les coutumes. Ça aussi, chez l'imam Malik, c'est un fondement pour son école. Et le dernier, c'est Mura'atul Khilaf, la considération de la divergence. Mura'atu al-khilaf. Et dans cette école de l'imam Malik, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire est-ce que l'imam Malik avait l'exclusivité de ses fondements? Non. Les autres écoles avaient aussi, en effet, ces principes, sauf que l'école malikite avait plus tendance à utiliser les autres qui portent à équivoque. Au profit des quatre premiers, sur lesquels les quatre écoles sont unanimes, et dans l'unanimité, pratiquement, il est affiché par toutes les écoles. هذه الأصول سأقولها بالعربية حتى تتضح أكثر. أصول المذهب المالكي كما يلي: الكتاب والسنة، عمل أهل المدينة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، سد الذرائع. العرف والعوائد ومراعاة الخلاف. هذه هي الاثنى عشر. اثنى عشر مبدأ. Il y a 12 fondements dans l'école malikite. Et là, la question que je vous pose, et vous allez normalement être d'accord avec moi, est-ce que on pourra traiter les 12 fondements aujourd'hui? Je pense que c'est impossible. C'est quasiment impossible. Mais on va essayer d'aller vraiment fondement par fondement, sans trop tarder sur surtout les premiers, les quatre premiers, à savoir Al-Kitab, Al-Sunna, Al-Qiyas, Al-Ijma', qui font pratiquement le consensus et sur lesquels les quatre écoles sont d'accord. Et on va pas. Pardon. Non, il y a 12.
الكتاب السنة عمل أهل المدينة الإجماع القياس قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة الاستصحاب سد الذرائع العرف ومراعاة الخلاف. Voilà les 5 les 12 fondements de l'école malikite pratiquement. L'imam Malik, pour son ouvrage Al-Muwatta, parce que ces 12 fondements, comment les élèves de l'école malikite, ulama ou malikiya, kifash huma tuslo an l'imam Malik bna l'madrasa ou l'madhab maliki على هذه المذاهب الاثنا على هذه الاصول الاثنا عشر وشنو اللي خلاهم يوصلوا لهذا الاستنتاج هما انطلاقا من دراستهم للموطأ الامام مالك استنتجوا واستخرجوا هذه الاصول الاثنا عشر والا فالامام مالك لم يكتبها ولم يتطرق اليها مطلقا. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى لقيني ابو جعفر المنصور يعني في الحج فقال وإنه لم يبق للناس عالم غيري وغيرك فأما أنا فقد اشتغلت بالسياسة وأما أنت فضع للناس كتابا في السنة والفقه تجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواد ابن مسعود ووطئه توطيئا فقال مالك فعلمني أنا اللي يقول الإمام مالك فعلمني أبو جعفر المنصور علمني كيفية التأليف أنا الإمام أبو جعفر المنصور تلاقى إلى rencontré أبو جعفر المنصور c'était l'émir de l'époque il était le responsable à Médine il a rencontré lors de du pèlerinage l'imam Malik ils se sont croisés et l'imam Abu Ja'far va demander à l'imam Malik de compiler de rédiger un ouvrage et il va lui dire il y a imam on n'est que deux qui restent dans cette ville qui ont la science et le savoir. Moi, je suis touché et je suis pris par la politique et la gestion de la chose publique. Toi, tu dois faire un effort pour rédiger aux gens un ouvrage dans lequel tu vas mettre trois critères. Selon les trois critères, va être rédigé ton ouvrage. Elle dit... Et vide dans ton ouvrage, et mis dans ton ouvrage, Rukhas ibn Abbas, les autorisations de Ibn Abbas. Et dans cet ouvrage aussi, évite les exagérations et les griefs, la dureté de Ibn Omar. Et ne prends pas en considération tout ce qui relève des anomalies de Ibn Mas'ud. Donc un ouvrage qui va comporter. Qui va se compiler selon trois conditions. Les autorisations d'Ibn Abbas et les anomalies, et qui va éviter les anomalies d'Ibn Mas'ud, et qui va éviter la dureté et les griefs de Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu. L'imam Malik, juste après cette demande qui a été formulée par l'imam Ja'far ibn Mansour, il va passer 40 ans. Pour rédiger son ouvrage. 40 سنه لكتابه الموطا 40 سنه لم يتحرك الامام مالك رحمه الله تعالى حتى وطا كتابه الموطا. الموطا c'est quoi? C'est le confirmer, le vérifier, le simplifier, l'explicite et voire même le licencier, livre qui a eu tous les agréments possibles selon toute la terminologie qui est liée à kalimat wata'ahu wa wata'ahu wa muwatta ila ghayri dhalik. Donc il est resté 40 ans pratiquement pour compiler son ouvrage 40 sanatan fi ta'lif. La deuxième chose, c'est que cet ouvrage-là, il a eu l'agrément de 70 savants de Médine. Il a été confirmé par 70 min tarafi 70 aliman min ulama al-Madina. كلهم واطؤوا الإمام مالك. Ils l'ont confirmé, ils l'ont appuyé et ils ont donné leur accord et ils ont agréé l'ouvrage. C'est comme une sorte de licence, hein, une sorte d'agrément qui est donné à l'Imam Malik pour que son ouvrage devienne la référence de Médine selon la demande et le cahier de charge qui a été donné par qui? Par Abu Ja'far al-Mansour. Donc c'est pour ça qu'on dit الإمام مالك الكتاب الموطأ سمي بالموطأ لأنه واطأه عليه 70 رجلا وعالما من علماء المدينة. فالإمام مالك كما تعلمون هذا كتاب الموطأ معروف وهو
alayhi al-awal. C'est la référence par excellence de toute l'école malikite. Et c'est la base. Car dans cet ouvrage, il y a deux choses. Il conjugue deux principes. Al-fiqhu wal-hadith. Et on retrouve dans cet ouvrage la jurisprudence et on retrouve les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le reproche qui est fait à l'école malikite, parce qu'il est fait par des gens qui n'ont pas compris l'école malikite. C'est parce qu'il est fait par des gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas habilités de comprendre l'école malikite. Et le troisième facteur, peut-être il parle sans connaître l'imam Malik et son école. Donc, ceux qui jugent l'école malikite d'être une école sans fondement dans le hadith, c'est une erreur. Car tous les savants et tous les docteurs du droit islamique sont tous d'accord à l'unanimité que Al-Muwatta, cet ouvrage, elle est fait autour de ces deux principes. Al-fiqhu wal-hadith. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان فقيها وكان محدثا واشتغل بالعلمين وبالفنين وهذا ما et ce qui va s'illustrer parfaitement dans son deuxième ouvrage qui s'appelle La Mudawwana, c'est un ouvrage que Abdurrahman ibn al-Qasim, un des élèves de Malik, va rédiger de la bouche directement dictée et qui va compiler du vivant de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et c'est lui qui va s'appeler Al-Mudawwana, qui va être repris par Sahnoun et qui va devenir la Mudawwana, la deuxième référence de l'école malikite, donc Al-Muwatta et la Mudawwana. Et à partir de ces deux ouvrages, pratiquement, les savants, juste après, vont compiler plus de 200 ouvrages qui relèvent des fondements de l'école malikite. 200 ouvrages. أكثر من 200 كتاب تتحرى أصول المذهب المالكي من طرف علماء المالكية. كلهم بدون استثناء. 200 ouvrages qui va être consacré à l'école malikite pratiquement depuis cet ouvrage qui s'appelle Al-Mudawwana Al-Kubra. Et ce qui va s'afficher par la suite, c'est Mukhtasar Khalil, que les Africains connaissent beaucoup, Mukhtasar Khalil, et l'apprennent par cœur. Et quand je dis les Africains, c'est vraiment la partie sud subsaharienne. Et eux, après avoir appris le Coran, la deuxième démarche, c'est d'apprendre Khalil par cœur. Et aujourd'hui, ceux qui sont ancrés dans l'école malikite ancestrale, c'est les Africains. Parce qu'ils maîtrisent parfaitement cet ouvrage de Khalil, Mukhtasar Khalil fil fiqh al-Maliki, et aussi Mukhtasar al-Akhdari fil fiqh al-Maliki. Il est très connu, bien sûr, et viendra parler mauritanien, Ibn Ashir, qui va justement compiler sous forme de poésie la